Ouais, mais c'est officiel, après 57 ans d'existence, plusieurs modèles mythiques, 2025 va être la dernière année de production des motoneiges Yamaha. Pour marquer le coup, Yamaha ont décidé de produire 998 Sidewinder SRX. Ce chiffre-là n'est pas lancé au hasard, c'est très clairement en référence au 998 CC dans le moteur turbo-compressé des Sidewinder. Aussi, la dernière motoneige à sortir des lignes de production va être marquée avec un badge Final Edition 998 de 998. Puis cette motoneige-là va venir dans une boîte, genre collectionneur, un peu comme les boîtes pour les jouets de collection. Sur la boîte, on va avoir les modèles mythiques, l'histoire de Yamaha. Cette motoneige-là va être en vente aux enchères. Les revenus de la vente vont aller à un organisme sans but lucratif. Puis là, ça m'amène plusieurs questions, puis je serais curieux d'avoir ton avis dans les commentaires. Premièrement, la personne qui va acheter ça, vas-tu le laisser dans la boîte ou il va le sortir et l'utiliser? Deuxième question, combien ça va se vendre? Normalement, c'est quoi? Environ une trentaine de mille, 30-35 mille. Celui-là va se vendre très clairement au-dessus de 50 mille, peut-être 100 mille. Je serais curieux d'avoir ton guess là-dessus. Puis, ma dernière question, ça va-tu prendre la valeur dans le temps? Si le gars le laisse dans la boîte, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu penses-tu que ça va prendre de la valeur? Laissez-moi vos avis.